Alors, dans quelques instants, une météo spéciale sur l'île de Zult avec Isabelle Périlloux. À 23h45, le dernier journal vous sera présenté par Bruno Fuchs. Demain, à 6h30, vous pourrez retrouver Francine Buchy et Patrick Bourrat. Et à 13h et à 20h, le grand retour de Jean-Pierre Pernaut. Il est en forme après ses vacances, il peut faire les deux journaux. Bonne soirée à tous et à mercredi. Sombre journée que celle de samedi dernier pour les buteurs. Il n'y eut que 16 buts marqués, soit deux fois moins que le week-end précédent, et c'est surtout le plus petit score enregistré depuis le début de la saison. Sombre semaine aussi pour nos vedettes du championnat de France. Luis Fernandez est suspendu d'entraînement pour quelques jours par le Matra Racing. Carlos Valderrama est sorti avant la fin du match contre le même Matra Racing pour piètre prestation. Jean Castaneda est désavoué par Robert Herbin, il lui préfère Beaufreton, plus jeune. Et c'est enfin Carmelo Misich, éternel espoir du football français et toujours remplaçant à Metz. C'est lui qui nous donne ce soir ses pronostics pour la 7e journée de mercredi prochain. Cannes Lille, je crois que Cannes a réussi un score contre Toulouse, donc je mettrai Cannes. Monaco Auxerre. Monaco Auxerre, je mettrai donc le favori logique Monaco. Caen Toulon, je mettrai un nul. Paris Saint-Germain Sochaux. Sochaux. Marseille Matra. Ah là, c'est un peu serré là. Marseille. Laval Strasbourg. Laval. Lens Montpellier. Un nul. Bordeaux Saint-Étienne. Bordeaux. Metz Nice. Voilà, logiquement, je suis obligé de dire Metz. Nantes Toulouse. Nantes, Toulouse, Nantes. Guignon, Angers. Guignon. Guingamp, Brest. Guingamp. Sète, Grenoble. Je mettrai un nul. Merci. Le choc de la soirée opposera le Paris Saint-Germain au FC Sochaux, respectivement 3e et 2e, tous deux à 12 points. Bonsoir, les perturbations passent et trépassent. Elles donnent tout au plus quelques passages nuageux, ça et là. Le reste du temps, eh bien, c'est du soleil. Un soleil qui va se faire de plus en plus généreux par le nord. On n'en demandait pas autant, mais ne nous plaignons pas. On voit tout de suite notre animation satellite avec d'abord la situation d'aujourd'hui, le temps qu'il a fait aujourd'hui. Vous voyez qu'il a fait beau quasiment partout, avec quelques petits passages nuageux sur les régions situées au nord de la Loire. Donc, des passages nuageux qui sont liés à cette petite perturbation. Et puis aussi, il y a des petites taches blanches qui ne sont autres que des cumulonimbus, autrement dit des nuages d'orage. Donc il y a eu des orages sur le sud de cet après-midi, mais rien de bien méchant. Demain, eh bien, cette perturbation va continuer son périple vers le sud-est tout en se désagrégeant. Elle donnera simplement quelques cumulus, donc ce qu'on appelle des nuages de beau temps. Tandis qu'à l'arrière, l'anticyclone va venir se percher sur les îles britanniques, va glisser progressivement sur les côtes de la Manche et nous assurer, eh bien, un maximum de soleil donc par le nord. Le résultat sur la carte du temps que vous aurez demain matin. On commence par le meilleur, c'est-à-dire par les côtes méditerranéennes et par la Corse, où là, pas l'ombre d'un nuage, il fera un temps superbe. Un temps plus gris, en revanche, sur l'extrême sud-ouest, des petites entrées d'air maritime qui nous donneront un temps très brumeux, très nuageux le matin. Et puis partout ailleurs, quelques cumulus, quelques passages nuageux, de très belles éclaircies quand même, et encore des résidus orageux, surtout sur le massif central, sur le Jura et sur les Alpes. Le temps demain après-midi, eh bien, je vous l'ai dit, un maximum de soleil, très très beau sur le sud-est, très très beau sur la Corse.
Très beau sur le nord de la Loire, donc sur la Bretagne, sur les Pays de Loire, la Normandie, le bassin parisien, l'extrême nord, les Ardennes, la Champagne, et puis entre ces deux zones, un ciel voilé dû à la chaleur et à l'humidité. C'est quand même du beau temps, mais un ciel relativement voilé avec des risques d'orages qui pourront être violents en soirée, surtout sur le massif central et sur les Alpes. Pour ce qui est des températures, elles sont en baisse sur la moitié nord, stationnaires sur la moitié sud, donc pour demain matin, elles varieront sur la moitié nord entre 11 et 17 degrés, 11 degrés minimum à Cherbourg, 17 maximum à Strasbourg pour monter jusqu'à 22 degrés maximum à Nice, donc demain matin 15 degrés à Paris. Dans l'après-midi, elles sont en hausse sur le nord, donc grâce au soleil qui va se faire de plus en plus généreux, stationnaire sur le sud, et elles varieront du nord au sud entre 20 et 33 degrés, 33 maximum à Nîmes, 20 degrés minimum à Cherbourg, 25 à Paris, 22 à Lille, 25 à Nancy, 27 à Strasbourg. On termine par notre agenda. Demain mardi 16 août, bonne fête à toutes les Hermelles. Le soleil se lèvera à 6h46, se couchera à 21h02, la Lune se lèvera à 10h47 pour se coucher à 22h14. Et le coefficient de marée en légère baisse demain puisqu'il sera de 80. Bonne soirée sur TF1. Avec la climatisation, il fait bon pour la saison. Qui fait la différence de propreté à basse température avec les poudres classiques? C'est le nouvel Ariel liquide. Qui le dit? Vous. Vous qui, à travers toute la France, l'avez essayé. Comme Elysia de Lyon. Moi, j'ai trouvé ça très très bien parce que j'ai une petite fille de 4 ans. C'est le genre à manger une glace en commençant par le cornet. Et comme c'est toujours de la glace au chocolat, ça tâche bien. Seulement le problème, c'est que dans ces tissus synthétiques, je ne veux pas m'aventurer à faire bouillir ce linge. Alors je lave à basse température avec ma poudre. Malheureusement, ça a laissé des auréoles. J'ai essayé avec Ariel liquide et c'est très très bien parti. Alors, on prend la petite boule en verre. Ariel liquide et on met dans le tambour avec le linge à basse température sans prélavage. Les couleurs sont belles, tout est net. J'adopte Ariel liquide. Vous aussi, découvrez la propreté impeccable d'Ariel liquide. Plus la température est basse et plus il fait la différence de propreté. J'aime mon nouveau bain moussant camé. Je m'y sens bien. Plus douce, plus féminine. Son parfum, c'est une émotion à fleur de peau. Sa mousse, une sensation unique de tendresse. En camé, je lui plais. Nouveau bain moussant camé. Bonsoir, avant que ce long week-end du 15 août ne soit complètement terminé, j'espère que vous aurez le plaisir de marquer ce jour d'une pierre blanche grâce au tapis vert. Votre choix est fait, que le tirage commence, tapis vert à pic, demandé. Résultat ? L'as de pique. Tapis vert à cœur. Résultat, le 8 de cœur. Tapis vert à carreau. Résultat, le roi de carreau. Et enfin, quatrième et dernier tirage, tapis vert à trèfle. Résultat ? Le valet de trèfle. Eh bien, vérifions ensemble la combinaison gagnante de ce lundi 15 août 1988. Il fallait jouer l'as de pique, le 8 de cœur, le roi de carreau et le valet de trèfle. Demain, comme tous les jours de la semaine, vous devez valider vos bulletins avant 19h30. Bonne soirée sur la Une. Tapis vert. Bonne soirée sur la Une avec une destination frissant. Suspense à la Une également pour les passagers du vol 305 à destination d'Honolulu. Alerte à l'aéroport, c'est le titre de ce film de ce soir avec Robert Vaughn dans l'un des rôles principaux.
Androgyne, couple à trois, la Cicciolina en question, super sexy, vous avez deviné, avec ses jeux et ses lieux insolites, aussi bien à la ville qu'à la campagne, pour vous faire rougir de plaisir. Super sexy sur TF1 à 22h05 ce soir. C'est Noël, pas aujourd'hui, mais dans le film de 22h50, Le Bateau. C'est Noël, mais l'équipage du bateau n'est pas à la fête. Et pour échapper à l'aviation britannique, une seule solution, l'immersion à condition de ne pas toucher le fond du détroit de Gibraltar. Vous avez noté l'heure, 22h50. Mais tout de suite, c'est parti, alerte à l'aéroport. Bonne soirée. Aucune épreuve sur Terre n'était assez dure pour tester ses performances. 0 à 100 en 8 secondes 9. Citroën BX GTI. J'aime. Le kilomètre en 30 secondes 5. 4 freins à disque et la suspension Citroën. Citroën BX GTI. On vous conseille plutôt le 130 sur autoroute.